Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton ombre tous les moulins de mon cœur. Le campement! Le campement! Nous partons demain aux premières lueurs de l'aube. L'aube! Ah, c'est si tôt, ça va piquer. La piquance! Il est minuit, nous nous levons à 6 heures? Non, ceci n'est pas une bouilloire. Bon, bah moi je me couche. Hein. Toi tu te douches, moi je me couche, lol! La fatigance. Ah ouais. Quel enfer de se lever tôt. C'est si long de s'enregistrer au bagage, mais moi je savais pas. Hein. Une vie en termes d'avion là. On arrive au décollage. Dame pont. Au rapport. Voilà, nous avons travaillé pendant le trajet à la place de dormir, ce qu'on aurait très envie de faire, car on s'est levé très tôt ce matin et qu'on n'a pas beaucoup dormi cette nuit parce qu'en fait, j'arrivais pas à m'endormir hier, du coup, j'ai mis au moins 3 heures avant de dormir. Vous êtes bien loquace, madame. Taisez-vous donc. La petite chambre, le petit Airbnb. Nous avons découvert quelque chose qui s'appelle des griquis. Ou alors peut-être des griquets. Et alors ça, je ne suis pas capable de dire ce que c'est. Elle est où la pont. La pont. La pont. La pont. Je la vois, je la spot. Oh, elle a trouvé des bougeurs. Ils ont pas de choco par contre. Ça, ah oui, c'est oui. Pas possible, on rentre chez nous. On rentre chez nous, pays de barbares. Chez les itinérantes, on commence jamais la journée sans répondre à quelques mails. Cake. Regardez notre beau calendrier de ce qui vient. Nous avons trouvé un magasin pour nous, un magasin spécial itinérante. C'est à nous. Comment on dit bonjour déjà? On dit Labdien. 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 C'est un paradis ici. Wow. C'est les boucles d'oreilles des itinérantes. Mais oui! Montre-nous la petite sélection qu'on a. Pour les costumes itinérants. Les exploratrices. Yeah. C'est en train de me rendre folle. En fait, ici, il y a beaucoup de choses qui sont faites main. Ça, ce sont des ceintures traditionnelles lettonnes qui sont brodées à la main. Les costumes changent en fonction des régions et on peut les reconnaître aux différentes couleurs, aux différents motifs. La moufle est sacrée ici. Tous les symboles ont une signification et appartiennent aussi à une région particulière. C'est qu'on est en Lettonie quand il y a carrément des runes anciennes sur les sucettes pour bébés. How cool is that? Bravo Lettonie, tu l'as encore fait. Moi je vais dire, tu vois, on dit le plastique ça se biodégrade pas vite, franchement faut voir le bois, 3500 ans plus tard, même état. Elodie elle a découpé. Oui mais de toute façon c'est soit je suis dans l'image soit vous y êtes, hein, faut choisir un moment. Oh alors, on le met comme ça. Oh.
Mais Manon s'est introduit. Mais... Pochette partie! Pour les concerts! Bon, là je fais le point sur la paella. Là je fais le point sur Manon! Nouvelles acquisitions! Et là je fais le point sur Pauline! Pour les itinérants, nous avons des petites jumelles du meilleur goût! C'est goûtu! Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. On est au Musée national des arts de Lettonie. Avec ses chevaux d'étoiles comme un anneau de Saturne. I probably look very sad. Le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. On est sur un petit colin pêché du jour. Délicieux. Ça c'est du beurre maison. De la du beurre biologique de la campagne. Avec du pain qui a été fait dans le restaurant maison. Est-ce qu'on n'a pas un peu la sensation que cet arbre dit « Je vous attendais » dans une position lascive et langoureuse? Est-ce qu'on peut bosser ici? J'aime bien ce kilt, cette couette kilt. Cette couette très beau. Cette couette. Et du coup, en fait, on est pas obligé de la mettre là, tu vois. Est-ce que c'est choquant donc? La tempête que j'ai barrée, que je recrute encore plus. Mais si un jour on l'utilise le vrai. Non, on l'utilisera pas. On n'utilisera pas ce programme. Elle change de bois. Comment ça? Plusieurs. Nous sommes encore à table. Comme d'habitude, en fait, on passe notre vie à manger, je crois. Chocolat. Am brauchen ich immer, you will listen, yeah. Brauchen ich im Ohr, schon mal fertig, all okay. Brauchen ich im Ohr, you will listen, ich brauchen ich im Ohr, schon mal fertig, all okay. Gut in Jalaf brauchen nicht, gut in Jalaf wissen nicht, gut in Jalaf brauchen nicht, so der ist mit. Gut in Jalaf brauchen nicht, gut in Jalaf wissen nicht, gut in Jalaf brauchen nicht, so der ist mit. Thank you.
ce bracelet qui est couvert de runes triangulaires qui sont les runes de protection. Donc je suis protégée par le dieu, les dieux, peu importe en quoi je crois. Quel que soit ce qui m'arrive dans la vie, il me protège si je le porte. Voilà, ajoutez la mention complémentaire. Le dieu ou les dieux ? Nous avons découvert de drôles d'oiseaux qui sont des espèces de mélange entre des pigeons et des corbeaux. On va parler vraiment des corpibos. Des corjons. Regarde, on peut faire le clip des moulins. Non, que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Oh, du sable. Donc nous voici donc dans le magnifique manoir de Uolerumuija. Et c'est là que va avoir lieu notre premier concert ce soir, notre premier concert en Lettonie. Et les filles sont en train de s'échauffer. Je sais pas où elles sont d'ailleurs. Elle lui raconte la légende du pays aux oiseaux. Ils vont bien l'entendre, Lola se penche à l'ombre des roseaux. Ça va commencer dans 5 minutes. La Lettonie, quand l'improbabilité rencontre l'ingéniosité, c'est une loge chambre. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a
a part of it. La vie en rose. Regardez les petits bébés clandestins que nous ramenons dans nos sacs. Qu'est-ce qui se cache là? Bon, évidemment, je ne vais pas vous faire un cours sur les moufles de la Lettonie, mais il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce livre, notamment cette phrase. La symbolique des moufles émane très souvent des symboles liés à la main. Une moufle est comme un masque sous lequel la personne cache soit une main agressive au poing serré, soit une main vulnérable et bienveillante. C'est probablement pour cette raison qu'aujourd'hui encore, il est élémentaire d'enlever son gant pour saluer quelqu'un en tendant sa main. La perspective mythologique sur les gants, aussi bien que sur les vêtements, montre qu'ils sont inséparables de l'individu lui-même. Alors moi j'ai acheté celle-là, et je me suis un peu renseignée dessus. Donc ce symbole ici est le symbole de Saole, donc la déesse du soleil, car pour les Lettons, le soleil est féminin. Voilà, créateur de toute vie sur Terre, porteur de lumière, féminin quoi. Je trouve que c'est plutôt à propos. Et alors ce signe, je suis pas extrêmement sûre, mais je crois que c'est la croix de la lune. Donc ils appellent ça Menes Krust. Voilà. Pourquoi ça ne fait pas le point? Voilà, donc sur ces moufles en particulier, nous avons l'énergie masculine, l'énergie féminine qui se rencontrent. Il y a aussi des symboliques avec les couleurs rouges, tout ça, qui veulent dire des choses, mais je ne suis pas assez calée. Et alors vu qu'elles sont faites à la main, à l'intérieur, il y a une petite étiquette avec le nom de la personne qui les a faites. Mais la mienne est tombée, donc c'est un peu la tristesse. Je ne sais pas qui est ma bienfaitrice. En tout cas, je suis trop contente d'avoir ces moufles en ma possession. Regardez la beautance! Tous les moulins de mon cœur.